Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est en week-end top 12 et cet après-midi c'est le fameux derby, donc le match retour Vélizy contre Clamart. Donc ce match est très important car si on gagne cette rencontre, on est qualifié en demi-finale. Et pour gagner, il faut qu'on gagne 4 duels. Normalement 4 duels sur 12 ça paraît peu, mais on sait jamais, c'est un match, c'est une compétition, donc il va falloir être vigilant et très concentré jusqu'à la fin pour justement rapidement gagner ces 4-2. Bon, je vous avoue que les agrès qui arrivent cet après-midi, c'est pas vraiment les agrès que je préfère. Hein. On commence au saut, après les arçons, et puis on finit sur la barre fixe. Donc, j'ai une très grosse pression au saut parce que je sais qu'il va falloir être solide contre Vélizy parce qu'ils ont une grosse équipe au saut de cheval, donc il va falloir augmenter le niveau de difficulté du saut. Et c'est quelque chose quand même qui me fait peur, surtout par rapport à l'arrivée. C'est vrai que le saut, c'est là où je me suis blessé déjà plusieurs fois. J'ai toujours cette petite pensée parasite qui vient me perturber un petit peu. Il va falloir que j'essaye de faire abstraction de ça pour que je sois vraiment concentré sur ce que je fais et la réussite de mon saut avec une bonne réception. Mais bon, on va être positif, on va rester concentré et bien focus sur ce qu'on a à faire. Et normalement, il n'y a pas de souci. On va essayer justement de passer une étape encore supérieure pour me dire voilà, je l'ai réussi, je l'ai fait. Et ça, je pense que c'est très important. Même pour vous, hein, peut-être qui ont été blessés par le passé, vous savez que des fois, il y a des choses qui nous font peur. Et une fois qu'on les surpasse, et ben, on a franchi une étape et derrière, on se sent beaucoup mieux. Et c'est cette confiance qu'il faut que j'arrive à retrouver au fur et à mesure. Je m'en cache pas, hein, j'ai encore ces petites appréhensions, mais je vais essayer de surmonter tout ça. Bon les amis, c'est parti. Va falloir envoyer cet après. 4 duels et on est qualifié. Allez, allez. C'est le rituel avant la compétition. T'y crois ça? Les mecs ils laissent leur iPhone dans les chiottes. C'est quand même cool ça. Gagner un petit iPhone. J'ai oublié, c'est du Jim ça. Jim le revenant. Eh, c'est pas toi qui as oublié ton téléphone dans les chiottes? Non. Oh. Et eh ouais mon gars. On dit merci qui? Merci Kiki. Merci Kiki. Thank you.
a fait 28-20. Ouais. Et bon tour. Allez. Yes. Encore du taf, beaucoup de taf. Ah, on est qualifié pour la demi. C'est qui est en demi? C'est nous. On va peaufiner toutes les petites erreurs qu'on a pu faire et on sera prêt. Ouais les amis, donc je tenais à vous faire un petit retour après la compétition. Donc comme vous avez pu le voir, hein, j'ai fait un beau saut droit en sortie de barre fixe. Ouais, normalement j'aurais dû faire une belle sortie. Mais au final, il y a eu quelques petites complications, ça a glissé un peu, Guylaine nous a fait très très peur. Aïe. Il y avait une petite fine couche sur la barre fixe qui faisait que ça glissait surtout en soleil, donc pas de risque. D'un point de vue personnel, je suis vraiment content de ma compétition, surtout au saut de cheval, c'était là où j'avais la plus grosse appréhension et c'était aussi mon objectif de passer ce cap-là pour justement reprendre la confiance, donc le cap est franchi. Et sinon, concernant l'équipe, on a vraiment fait une belle compète, super ambiance, franchement, encore une étape de franchi parce que du coup, on est qualifié pour les demi-finales et donc on affrontera Monaco la semaine prochaine. Donc ce sera à Monaco sur 3 agrès et ensuite à Clamart dans 4 semaines sur les 3 autres agrès. Et puis après, on saura si on est qualifié en finale. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Et puis, on se retrouve très prochainement, du coup, pour les demi-finales. Ciao les amis!